Les énergies, votre facture énergétique, ça c'est un vrai, vrai gros sujet du quotidien, pour vous particulier, mais évidemment pour les entreprises, parce qu'elles consomment aussi de l'énergie. Olivier Timmon, merci d'être avec nous, vous êtes fondateur de Place des Énergies. Alors, ça existe depuis 2013, hein, Place des Énergies, on est bien d'accord. Oui. Et puis là, l'actualité aujourd'hui, c'est que, évidemment, vous avez créé un syndicat, c'est bien cela. Oui. Syndicat, on peut appeler quoi, un lobby, une sorte d'organisation qui fédère. Un syndicat des courtiers qui permet effectivement de probablement réguler demain un nouveau métier, qui est le métier de courtier en énergie, qu'on a créé depuis 2013-2014, qui est un tout nouveau métier, bah oui. Pour le coup, mais qu'il faut réglementer, comme on peut le voir dans le métier des courtiers en immobilier ou en assurance ou prêt, etc. C'est intéressant, l'énergie, parce que nous, on est des consommateurs. On appuie sur un bouton, puis on paye une facture, on ne sait pas trop comment ça marche. Vous, vous avez évidemment l'ensemble du réseau de la tuyauterie. Ouais. Avant, il y avait une entreprise monopolistique, oui. EDF. Tout à fait. Très facile à comprendre, elle avait le monopole. Oui. Puis un jour, on a dérégulé le réseau et on l'a proposé à d'autres opérateurs, même si EDF a toujours, et Gaz de France a toujours quand même la gestion des tuyaux, ce qui n'est pas si simple. Comment ça marche? Quel est le boulot du courtier? Il appelle tous ceux qui vendent du courant et il négocie avec eux. Comment alors, ça marche? Alors le rôle du courtier, c'est d'aider effectivement les particuliers, les professionnels à y voir beaucoup plus clair dans leur facture d'énergie, à optimiser leur contrat d'énergie. Comme vous l'avez dit, le marché s'est ouvert assez vite, un peu brutalement. Très brutalement. Pour les professionnels. Et beaucoup de professionnels nous disaient, particulièrement à moi, Olivier, écoute, on est perdu, on n'y comprend strictement rien au marché de l'énergie. On est beaucoup démarché par un tas de sociétés, plus ou moins sérieuses. Et on aimerait effectivement que tu nous aides sur ce genre de sujet. Mmh. Et de là, très, très simplement, on a décidé effectivement d'aider ces entreprises à renégocier leurs contrats, effectivement, en mettant en concurrence les fournisseurs d'énergie, donc les historiques, et les non-historiques, tous ces nouveaux fournisseurs qui sont arrivés. Alors, Direct Energy, c'est Total aujourd'hui. Mais Total pas, Direct Energy. Voilà, qui s'est passé sur le marché, et d'autres, il y en a d'autres fournisseurs, plus de 40 fournisseurs aujourd'hui d'énergie. Beaucoup de personnes n'ont pas conscience de ça. Dont on ne connaît même pas le nom, d'ailleurs. Hein. Voilà, exactement. Il y a beaucoup de très bons fournisseurs, mais méconnus. Et notre rôle, justement, c'est de les faire sortir du bois et de mettre en compétition les fournisseurs d'énergie pour les professionnels et les particuliers. Alors, pour être très concret, parce qu'on est ici une mission d'emploi, vous avez créé des franchises, donc plusieurs villes de France, il y a votre marque, oui. Avec des franchisés, donc on peut pousser la porte, donc vous avez créé de l'emploi. Il y a une formation spécifique pour être un courtier en énergie, il faut quand même connaître tous les fournisseurs, il faut connaître les tarifications, et il faut savoir sur quel levier on peut appuyer pour faire baisser. Voilà, le métier courtier, c'est effectivement pas un métier d'épicerie, c'est un vrai métier technique, ouais. Il faut une formation, donc effectivement, nous on a décidé en plein confinement, de développer une licence de marque. On en a déjà 9 qui se sont ouvertes et on annonce à peu près le double pour cette année. L'objectif pour nous, c'est de former des vrais courtiers, des courtiers en énergie qui ont la technique, qui ont une bonne connaissance du marché, une bonne connaissance du sujet, de les accompagner au quotidien pour qu'eux-mêmes accompagnent bien, très bien, les clients qui nous feront confiance demain. Est-ce que vous vous projetez dans l'idée, comme d'autres l'ont fait sur l'automobile, l'assurance maison et j'en passe, un site, une plateforme internet qui permette à moi d'aller sur un site, le vôtre, pour avoir des comparatifs et de me dire, voilà, la meilleure proposition, c'est celle-là avec le contrat que j'ai. Alors, aujourd'hui, c'est trop compliqué à monter ? Non, les particuliers professionnels peuvent déjà venir s'inscrire sur notre site internet, placedesenergies.com, je fais un peu de publicité. Mais vous avez raison. Voilà, et donc c'est totalement gratuit déjà. Il faut savoir que nos services sont gratuits sans engagement, c'est-à-dire que l'étude et la mise en compétition ne coûtent rien à un professionnel ni à un particulier. En revanche, nous, ce qu'on a souhaité, au travers de l'ouverture d'agences, c'est donner de la proximité. On s'est aperçu que beaucoup de fournisseurs d'énergie avaient quitté les centres-villes pour plutôt délocaliser, on va dire, leurs services sous forme de call center. Bien sûr. Nous, on a décidé... Et souvent très loin, d'ailleurs. Souvent très loin, voilà, tout à fait. On ne va pas débattre de ce sujet-là, mais c'est un vrai sujet. Et beaucoup de consommateurs nous disaient, nous, on en a un peu assez de ce genre de service et on aimerait avoir un service un peu plus de proximité. Et donc, nous, on a décidé, effectivement, d'humaniser notre métier, de ne pas le rendre que digital, mais aussi de le rendre aussi beaucoup plus humain. C'est un choix alternatif. C'est un choix dans l'ère de la digitalisation, vous dites qu'il faut quand même de l'humain pour accueillir les gens, expliquer aussi. Moi, je crois beaucoup à l'humain, je crois beaucoup, et ça se passe aussi au travers de l'emploi, mais au travers aussi de nos clients qui sont en attente aussi de cette relation humaine, surtout sur un sujet qui est technique. Sujet technique, sujet sensible pour les Français, pour les entreprises, parce que le coût de l'énergie a progressé. On a vu que le gaz avait encore augmenté. Mmh. Vous avez vraiment des leviers pour faire baisser? Il y a vraiment des écarts forts entre courtiers?
enfin entre fournisseurs d'énergie. On peut, pour des particuliers, on peut avoir des écarts de l'ordre de 17 à 20% de remise par rapport au prix du kilowattheure tarif réglementé. Donc du tarif historique en vigueur. Mais qui va s'arrêter bientôt, là. Hein. Qui s'arrêtera effectivement dans les années qui viennent. Effectivement. Donc il n'y aura plus de tarif réglementé. Hein. Tous ceux qui avaient le tarif réglementé, c'est fini. Hein. Alors là, pour le coup, les consommateurs qui étaient déjà perdus vont vraiment avoir besoin de courtier pour se faire aider, parce qu'il y aura tellement d'offres sur le marché, tellement de fournisseurs. Et comment comparer tout ça au travers d'Internet, c'est bien gentil, mais ça a ses limites. Et donc c'est clair qu'ils auront besoin de ces courtiers. Après, par rapport aux professionnels, on peut obtenir des remises qui peuvent aller de l'ordre de 10-15% en fonction des dossiers, ça voire compte. 30-40% dans certains cas, puisqu'on s'aperçoit que des fois, il y a des professionnels qui ne savent pas acheter l'énergie, qui l'ont mal achetée et qui, du coup, au travers de nos services, découvrent que ça fait des années qu'ils achètent très mal l'énergie et qu'ils ont manqué de conseils parfois de la part de leur fournisseurs bien aimés. Et ils s'y retrouvent forcément sur leur bilan à la fin de l'année, parce que c'est vrai que pour des boîtes qui consomment beaucoup d'énergie, oui. 30 à 40%, ils le sentent, évidemment. Et particulièrement en ce moment, dans le contexte économique, où beaucoup de sociétés... Où on serre les vis, effectivement, on a besoin aujourd'hui de faire de l'optimisation de coûts. Le sujet de l'énergie, c'est un sujet qui est prépondérant dans les entreprises. Donc, on a toute légitimité aujourd'hui de travailler avec tout ce... Merci Olivier Tinmont, fondateur Place d'énergie, avec plusieurs villes déjà où vous avez l'enseigne, et puis vous allez développer votre entreprise, donc créer de l'emploi, c'est important de le préciser, pour éclairer les consommateurs, et puis pour les aider aussi à payer moins cher, parce que c'est aussi ça l'objectif. Merci d'être venu sur notre plateau, dans notre rubrique Fenêtre sur l'emploi, c'était un plaisir. Merci à toute notre équipe, merci à Victoire qui était aujourd'hui aux manettes, et évidemment merci à Margot et à Pauline Gratel qui était à ses côtés, puis merci à la réalisation à Romain Luc, et merci à Justine pour le son. Voilà pour l'équipe. Merci à vous et votre fidélité. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et de vous retrouver. Je serai là demain en direct. Ne manquez pas le rendez-vous à 10h comme chaque jour. D'ici là, portez-vous bien. Faites-vous plaisir sur Bismart. Il y a plein de choses à voir. Bye bye. À demain.